un top 10 et puis plus rien. L'année dernière, à 24 ans, Pouille est entré brièvement dans le top 10 une semaine en mars, avant que sa progression ne s'enraye subitement. L'envie évanouie, la suite n'a été qu'un long chemin de croix, au point de finir au-delà du top 30, après s'être séparé en fin de saison de l'entraîneur qui a accompagné ses jeunes années. Sur le circuit, Emmanuel Planck, il a porté son choix sur Amélie Mauresmo pour reprendre sa marche en avant, conquis par son expérience en tant que joueuse et entraîneur. Elle a abandonné le capitanat de l'équipe de France de Coupe Davis pour le guider, séduite par le discours empreint de « beaucoup d'envie de mettre en place des choses assez ambitieuses » de son nouvel élève. Avec Mauresmo, Pouille, désormais 30e mondial, s'est attaché les services de la joueuse au palmarès le plus prestigieux du tennis français moderne, forte de 2 titres en Grand Chelem, Open d'Australie et Wimbledon. Plus d'infos sur ouest-france.fr. Pour aller plus loin, à lire aussi sur ouest-france.fr.